La visite débutera ce matin par un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron et Macky Sall signeront également des accords et des contrats. Puis à la mi-journée, ils se rendront à la conférence de financement du partenariat mondial sur l'éducation, sommet que président les deux chefs d'État. Il y aura d'ailleurs d'autres chefs d'État de la région présents à ce forum qui vise en fait à lever des fonds pour financer l'éducation dans les pays en développement. Emmanuel Macron il fera un discours et il y aura également une conférence de presse conjointe, notamment avec le président Macky Sall. Samedi, cette visite officielle se poursuivra cette fois à Saint-Louis, au nord du pays, une ville particulièrement touchée par l'érosion côtière. D'ailleurs, une visite est prévue sur la Langue de Barbarie, déjà menacée par la montée des eaux. Le président Emmanuel Macron y fera également un discours avant son retour pour Paris, prévu à la mi-journée.